Docteur Z, le meilleur personnage, hein, notamment avec le DLC, premier DLC de Borderlands 1 avec le docteur Ned, qui est vraiment. En termes de perso. Vous avez ramené un soldat infecté au campement? Mince, j'arrête pas de me dire que vous avez touché le fond de la connerie et vous creusez encore un peu plus loin. Ah, on va lui faire avaler sa salive. Mais d'abord, Helios. Ok. C'est vrai que. Très bien. Donc, ces tunnels, c'est le territoire sacré des bandits. Et moi, je m'assois complètement sur le code des bandits en t'expliquant comment entrer. Mais personne ne saura jamais rien. Ils sont tous morts. Alors, il te suffit juste d'exploser la barrière électrifiée. Les vers des sables devraient pas s'échapper. Normalement. Ok. Putain. Mais reviens, salaud! Oh! Ok. Du coup. Donc, j'ai ça qui se trouve. Somewhere. Tu es infecté. Faut juste trouver des infectés, ok. Ça ici, les burrows. C'est là-bas, ok. Et ça, c'est là sur le côté. On va aller faire ça en premier, du coup. Mais j'ai pas vu la quête de Vogne, là. Ah, c'est au-dessus. Ah, il y a encore des véhicules. Toujours recharger ses armes. Plus pratique. C'est là-bas. Ah non! J'ai chié, putain. Bam! Mais non, mais. Nul à chier, putain. T'es sûr? Tu veux qu'on parie? Bon, l'autre avec son camion là. Oh merde. Headshot. Genre. Ok. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'ennemis, que je puisse me balader. Goliath enragé. Goliath pas content. Par contre, ils ont une toute petite tête. Ah bah ouais, mon grand. Je me suis servi pour la première fois du rechargement de manière utile. Alors, Doudounland. Chest World. S'il ne fallait collectionner qu'un genre, ce serait bien celui-là. Enfin, ce serait celui-là. C'est dans Doudounland que j'ai fait la moitié de mon éducation. Faut dire aussi que j'ai toujours adoré les bustiers.
Et c'est ta maman que je dois ça. Mordecai, trésor. Scooter nous a demandé de trouver un toit pour sa... littérature. Ça t'intéresse? C'est... Je sais pas si je peux accepter une offre si généreuse. D'ailleurs, le... Ouais, le père de Scooter, c'est... Marcus, a priori. Le problème, c'est que Moxie, elle a eu tellement de maris... Ah, Marcus, on est d'accord. Baromètre casque, jamais. Non. Ouais. Trop de chance. Mais voilà, je comprends pas comment je peux, enfin, pourquoi je fais pas des headshots. Mais... Ok. Bon, j'explore un peu, hein, mais a priori. Ça ne sert pas à grand chose de venir ici. Quoi ça? Doit être pour une autre quête. Pour plus tard. Poum, parlant en premier. Calmez-vous. Toi, je t'encule. Voilà. Garogo et Roploplo, c'est le trimestriel à pas manquer quand on aime les belles gosses et les gros seins. Je sais, c'est un public de niche, mais c'est pas à moi qui vais venir juger qui que ce soit. Tu crois pas? Ok. Ça c'est fait. Oh, j'entendais un murmure. Ah oui, il est là. Ah, d'accord. C'est bon? Tout le monde est calme? Tout le monde est calme. Wow! Voilà, tout le monde est calme maintenant. S'il ne fallait qu'on ait l'appel de la sirène. C'est bien que l'appel de la sirène contient pas vraiment de photos de sirène. Mais ça fait le boulot. Hé, Vaughn, tu chercherais pas des magazines cochons un peu usagés par hasard? Oh mince. Franchement, c'est super gentil, mais... non. Vite, bandit! Bon, on va pas gâcher. T'as qu'à m'apporter ça, je vais les garder pour le moment. Et ce coup-ci, je vais prédire que ça vous a tous donné une envie subite de couler un bronze. Genre, tout de suite. En même temps que vous m'écoutez. Éclatez-vous bien, les amis! Achara.
Comment on fait pour désactiver cette merde? Alors non, pas le siège du mitrailleur. Comment on fait pour changer de siège? Alt. Non, c'est pas ça, je sais pas. Conducteur. Non. Je sais pas. Frappe la porte. Qu'est-ce que je fais? Celle là-bas? Sur le côté gauche. Le côté gauche. Frappe là. Ah, effectivement. Te laisse pas manger. Oh, et un petit message pour les vers des sables. Ils comprendront. Ok, cool. Il me reste qu'un truc à faire ici. C'est ça. Faut que je trouve des infectés. Pour... le meilleur Docteur Z pour la quête, le serment d'Hippocrite. Évidemment, référence au serment d'Hippocrate que les médecins passent. Donc, Tokuto. Ah voilà, j'ai réussi à toucher d'ici. Allez, on peut le faire, oui. Si je peux ne pas m'emmerder et faire des dommages. Hein. Sans prendre de dégâts, sans danger. Sans problème finalement. Tanky, hein. Ah. Là. Il en reste un, a priori. Ah, il y en a plus qu'un. Pourquoi ils sont tout lents comme ça? Attention. C'est parti pour tirer un peu n'importe comment. Vite. Vite. Il est quand même... ouais, il est quand même sorti... pas grand chose avec cette avec ce poison là. Il est où? Il est là, il prend feu, il prend feu, il meurt. Non, il est pas mort. Voilà, maintenant il est mort. Maintenant il est mort. On va recommencer à ramasser des trucs, hein. Je suis à 7 sur 15, la moitié. Apparence coureur, courseur que j'ai déjà.
Ok. Je peux avancer par là sans problème. C'est bien s'il se fait slaguer par un autre ennemi. Oula! Je suis slagué! Ouais, je me cache derrière mes tourelles. Au plus grand des calmes. Et il se passe quoi si le truc monte à fond? Bah, teste ça sur Mordecai. C'est pas trop grave, hein, c'est que Mordecai. Je peux dire, parmi les 4 héros du 1, le plus important est mort encore. Wouhou! Oh, m'emmerde pas, toi. Hein. Je vais te défoncer. Voilà. Connard. Bon. On va rendre la petite quête secondaire et ensuite on ira dans la nouvelle zone. Je ne tue jamais quelqu'un qui est en vie. Ça n'a aucun sens. Amuse-toi bien surtout. Et vous, est-ce que vous tuez des gens en vie ou morts? Portez les membres infectés. Cobaye de Dr. Z. Semble à quoi? Oh, il y a une de ses têtes! Excusez-moi, monsieur, mais. Waouh! Moi, je tue personne. Toi, tu collectes. Des organes. Ah! Voyez comme c'est intéressant. On peut voir un translateur de spores biofabulateur inscrit dans le. L'ARN, oui! C'est très scientifique. Laissez-moi voir. Tenez, essayez cette petite concoction. Donnez-la à ce malheureux juste là, qu'on puisse voir s'il retrouve enfin sa forme humaine. Prélève, on dit. Tuer l'expérience ratée. Ah, mais j'ai déjà... Ouais, ça n'a pas fonctionné. Dommage. Tout le monde perd complètement la tête avec ces plantes mutantes. Mais dans la médecine à but lucratif, c'est ce qu'on appelle une crise d'opportunité. Oh mince, tout est bien qui finit encore sur ses deux jambes. Au moins on commence en fanfare. Merci de votre aide. Tout est bien qui finit sur ses deux jambes après tout. Hein. Et ça, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. L'autre quête, c'était à donner à Moxie. Ah, il y a le truc de guerre de gang aussi. Là, avec les drapeaux.
On fera ça juste après les drapeaux. Pour ma prochaine prédiction, je parie que tout le monde s'est battu comme des chiffonniers pour mettre la main sur mes petits trésors. Pas vraiment. Je lis dans l'avenir comme dans un livre. Wouhou! Ok, je crois que le malaise était palpable, mais maintenant que c'est passé, voyons ce qu'il attend de nous ensuite. Pour mes prochaines volontés, je transfère officiellement la propriété du business le plus lucratif de tout Pandore à ma plus préférée de toutes mes sœurs. Je parle d'Elie. Oh, Scooter. Du coup, c'est Ellie qui gagne le business de d'Autolock. Hey, bonjour, petite beauté. Qu'est-ce qui se passe? Ellie, Scooter veut que tu récupères l'Autolock. Oh, merde! Je savais que ça arriverait un jour. Ça me faisait chaud au cœur d'entendre sa voix de Cressel sortir des haut-parleurs, mais ok, j'accepte. Ellie, si jamais tu m'écoutes, ça veut dire que je suis devenu un super fantôme sur l'immense autoroute de l'espace. Et que je conduis des voitures fantômes autour du soleil et tout. Désolé, je suis sûr que t'es super triste. Mais faut que tu fasses tourner la boutique pour moi, ok? Adieu, Scooter. Et merci. Bon, ben je crois que j'ai plus qu'à enregistrer de nouvelles répliques pour l'autolock, hein? Station Autolock. Bon, ça c'est dans la prochaine zone. Donc là, il y a l'autre quête à faire. Avec son histoire de drapeau de ses morts. Voilà pour toi. Affiche nos couleurs quand t'auras gagné. Comme ça, tout le monde saura que c'est nous. C'est à faire où? Ah non, c'est aussi à faire dans l'autre zone. Bon, très bien. Pas de problème. Dalle abandonne. Du coup, d'abord, on va passer à l'autolock. Hein. Faut que je fasse quoi? Faut que je le fasse à tous les autolocks? Ah non. Ok, je crois que c'est bon pour le transfert. Tu peux essayer pour voir? Si tu cherches une vraie machine de guerre, c'est ici! Autolock! Merci, chasseur de l'arche. Voyons ce que Scooter voudrait encore que tu fasses. Et pour finir, si je devais quitter cette enveloppe carnée, faites-moi l'honneur d'ériger respectueusement un mémorial digne de ce nom en mon honneur. Et de faire un putain de saut de dingo au-dessus du machin! Wouhou! Il se trouve justement que je prépare un petit truc à l'endroit de sa sépulture et ou de son cratère d'impact. T'as qu'à venir m'y retrouver, je vais te montrer ça. Par contre, j'en ai marre, on va te détruire ses... ses adversaires, hein. Ces bandits de ses morts. Mais bon, c'est rigolo. Et boum! À force de chialer toutes les larmes de votre corps. Mais
faut pas vous en faire. J'ai mené ma vie exactement comme je voulais, même quand... Non. Surtout quand on me disait, fais pas ça. Les règles, c'est pour les tocards. Et ça, je viens de l'inventer. Je suis un vrai génie. C'est pas la mort qui va m'empêcher de briller. Alors... Bon, du coup, on a eu un dialogue coupé parce que deux quêtes en même temps. Ce qui est un peu débile. Ouais, je sais, c'est vraiment génial. Mais je crois qu'il manque une petite touche finale, pas toi? J'ai pas su choisir entre des flammes vertueuses de folie furieuse ou des arcs électriques super dangereux de brutasserie. Alors fais comme tu le sens, chasseur de l'arche. On peut pas faire les deux? On va mettre du feu. Ça me paraît mieux pour un scooter. Alors pour faire un saut de dingo, on va prendre l'autre véhicule du coup. Ah, souche virulente, ouais, c'était ça. C'est dégueulasse. On va le mettre parce que c'est nouveau, hein, mais... Je me suis pris un mur invisible à l'atterrissage, c'était génial. J'ai adoré. Ok. C'est fait. Et du coup, on a... Bah déjà, je vais rendre la quête et ensuite on aura l'autre quête. Ah, c'est marrant, ça m'a fait dépop mon autre véhicule. Oui, parce que j'ai gardé sur l'emplacement 1. Mais non, accroche-toi, bordel. Je sais bien que ça t'excite de trouver toujours plus d'arches. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est voir du pays. Non, d'une couille de Sgag! C'était incroyable! Scooter serait vraiment aux anges s'il avait pu voir ta démonstration de Brutasse! Tu lui fais honneur. Merci, chasseur de l'arche. Je sais bien que Scooter pouvait être parfois un peu particulier, mais c'était un bon garçon. Et ça, on peut dire que c'est une qualité rare sur Pandore. Il aurait été vraiment touché de te voir faire tout ça. Moi, je le suis. Merci, chasseur de l'arche. Eh bien, de rien, Micheline. On va tout de suite utiliser cette personnalisation. Et pour mes derniers mots de la fin, je tenais juste à dire... Merci. J'ai toujours rêvé d'être chasseur de l'arche, mais j'avais pas vraiment la carrure. Mais vous, vous m'avez donné une raison de me battre, et vous m'avez accueilli. Et vu qu'on est tous une grande famille maintenant, je vous demanderai de veiller sur mes chouchoutes, Ellie et Moxie, ok? Et puis moi, du coup, faut que je me mette en route pour le paradis. Des bisous, Scooter. Chapeau bas. Ça, ça ressemble à quoi en pratique? C'est un jaune vert plutôt banal. Hein. J'aime pas. Je préfère le truc brillant poney. Merde. Non. Oui, redéployer, monter. Voilà. Mais non, j'ai pris les vieux disques. Bon. J'envoie des disques, c'est pas ouf, mais on va faire avec. Donc là où j'ai été tout à l'heure, en fait, faut y aller seulement maintenant parce que j'avais pas les drapeaux. Je suis content.
Ça a pas l'air d'avoir repop, donc ils ok. C'est bien les jeux où ça repop pas. Tu sais quoi faire? Hisse le drapeau! Des chasseurs d'arches! On va se les faire! Bordel! Tiens, c'est des. Ça sert à rien! C'est normal, c'est pas grave. Mais c'est des. Comment ça s'appelle? On dirait des mecs de la lance écarlate. Allez, au suivant! Un mec de la lance écarlate? Je sais pas pourquoi il y en aurait un, soit. Ok, il n'y avait qu'un seul ennemi. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Très bien. Très bien, je recharge mes armes. Et donc là, c'était aussi où j'étais tout à l'heure, mais pour le coup, j'avais fui. Donc il reste des ennemis. Oh, il est torse nu, lui. Ça, ça va lui faire bien mal. Un rat d'égout. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ils se sont dit lol, on va mettre plein d'ennemis de différents types. Ok. Ok. Putain, mais il y a un million d'ennemis. Ah non, c'est un pyro. Mais genre, nous ça fait pas des headshots quoi. Je tire dans son cou. Le cou ça fait partie de la tête, non? Ah voilà. Voilà. Dégage. Ok, parfait. C'était en haut. Faut que je passe ce pont. Alors que le chat possède le DC. Tu vois, je peux pas l'ouvrir, d'accord. Très bien. On est là. Toujours la banane, toujours debout. Bon, pour l'instant, ce DLC est pas non plus mauvais, hein, mais c'est pas. Genre, je vois pas le lien avec Borderlands 3, quoi. Il sert plus pour les gens qui n'auraient pas fait Tales from the Borderlands, quoi. Genre, lol, voici Vogue, lol. Lol, Scooter est mort. Laquelle de banane? Lol. Ah, parfait. Maintenant, hisse le drapeau pour que tout le monde sache que c'est chez nous. Ça marche. Ah. Run pour le calme. Quoi? Ah,
Reviens me voir, faut qu'on t'intronise aussi. C'est dégueulasse. Ma grenade, elle l'a pas attirée. En fait, je possède une profonde tristesse. Bon, du coup, tout est bon, là. Non, faut aller rendre la quête. Rendre la quête, ça, du coup, je le ferai quand je reviendrai de la quête principale. Et donc, il faut que je mette ça comme quête actuelle. Les trucs sur la route. Zabardi. Nouvelle zone. J'espère qu'il y a un truc de vie dès le début. J'en aurais besoin. The Burrows. Foutez le feu avec l'arborescence cataclysme. Terrassez vos ennemis. Lol, abonnez-vous. Je ne sais plus quoi faire de ton argent. Merci pour l'oseille. Matériel garanti. À très bientôt. Mon hypothèse était la bonne. Hector se sert de votre clé de l'arche pour produire du gaz en grande quantité. Il en aura bientôt assez pour recouvrir Pandore et créer son paradis. Mais le processus tuera tous les habitants de la planète. Nous sommes des tubes à essai dans sa centrifugeuse. Oh, alors vous avez reçu ma vidéo. J'attends votre réponse. Je peux savoir ce que vous faites là? Oh, puis on s'en fout. J'ai déjà gagné. Laissez-moi vous décrire la fin. Moi, assis sur mon trône au paradis, et vous, mourant dans la solitude, tandis que vos branches mutantes s'en mêlent comme un pretzel triste. Un point d'or. Mais en vrai, on sait toujours pas d'où il sort et... Est-ce que c'est ces trucs sur les épaules là qui le rendent invulnérable au poison? Les vers de sable qui sont des créatures du premier DLC de Borderlands 2. J'ai réussi. Bien sûr. Bon, je tire un peu à l'arrache. Merde. Pourquoi j'ai des fois une cadence de tir plus rapide? Je suis slagué! Je suis slagué! Ok. He's okay. Tout est mort. Dans le plus grand des calmes. Sérieusement ? Alors là, il faut faire attention. 1, 2, 3, go. Ah.
Encore un truc que j'ai déjà. Et quoi par là? Un coffre. Un bazooka nul, ok. En vrai, pour lui. Hop. Oula, oula. Aïe. Plein de trucs qui explosent dans tous les sens, ça roule. On va passer par là, ça m'a l'air plus safe. Bon, au final, c'est bon. Ça... Le gaz est parti. C'est quoi là, c'est un truc de sauvegarde. On est content. Il faut que j'aille par là. Là, dès que je vois un ennemi, je pourrais recharger. Brutal les cinématiques. Hein. Ouais, Brick. Ouais, bouffe ça, la Batavia. Parce que c'est étonnant de voir Brick alors qu'on a déjà vu Mordecai et Lilith. Bonjour. Yo, Mastoc. Paraît que Mordecai était en danger. T'as cogné des faces pour l'aider. Ça plaît. Suis-moi. Brick, t'es là? Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Yo Lilith, je ne ferai pas toujours les mêmes choix que toi, et si Mordecai a des problèmes, compte sur moi. Et c'est tout ce que je dirais. Alors je te laisse faire. Serre-toi de tes talents, Brick. Depuis le temps que Mordecai insiste pour que je me trouve un hobby autre que la violence, comme le jardinage. Bien fait pour lui. Je vais faire les deux en même temps. J'ai la main verte. Pareil pour les phalanges. On va leur motoculter la gueule. On va leur motoculter la gueule. Encore des buissons un peu plus loin. Mais vraiment pas de quoi s'inquiéter. Vraiment cool cette arme. Hein. Je suis vraiment content de l'avoir drop. Toujours pas fini. Avant tout faire. Hein. C'est bon. On va leur motoculter la gueule. Avec sa grosse masse.